Bonjour. Alexandre. Oh. Qu'est-ce que je suis heureuse de te voir. Oh, c'est fou, c'est que tu ressembles à ton père. Enchanté. Hein. Eh ben moi, c'est Gisèle, lui, c'est mon fils, Tristan. Il est un peu simple, mais il est gentil. Hein. D'accord. Oh. C'est rien, ça, c'est du sang de cochon. Je te la laverai, tu me la donneras. Ici, on a l'habitude. Oh, ouais, ça va, j'ai un très bon pressing à Lyon, ça ira. Allez, entre. Ça me fait plaisir de te voir, tu peux pas savoir. Oh là là. Qu'est-ce que je suis contente de te voir. Excuse-moi, hein. Je fais des conserves. Allez, on va trinquer. Un petit Betaview. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est de l'alcool de betterave qu'on fait nous-mêmes. C'est du bio. Ah non, 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 c'est gentil, moi, je bois jamais d'alcool. Ah bon? Merci. Non, mais par contre, si vous aviez un petit jus d'orange ou un verre d'eau, ça m'irait très bien. De l'eau? Oui, de l'eau. Oh, si tu veux. Tristan, reste pas derrière la porte, donc. Viens trinquer avec nous. Il est timide, tu ne connais pas. Bonjour, Tristan. Allez, à ton arrivée. Depuis que le notaire nous a téléphoné hier pour nous prévenir que tu reprenais la ferme, on est tout excités. Au début, j'y croyais pas. Hein. Mais va falloir m'aider parce que j'y connais pas grand-chose. Mais j'avoue que le challenge me tente. Hein. Le grand air, la campagne, les produits du terroir. Puis la banque, j'en ai fait le tour. T'inquiète pas, on va tout expliquer. Hein. Oh, c'est ton père qui aurait été fier de toi. Dommage que... Ça a été si soudain. Allez, je vais te montrer ta chambre, viens. Il reste de la couenne pour qui veut, hein. Marie-Cécile. Alors, Alexandre, elle est jolie, notre région. Oui, oui, très jolie. Très jolie. Et vous mangez toujours aussi tôt? Ah ben, c'est qu'on se couche tôt, ici. Hein. C'est quoi, ça? Bah, de la soupe à la couenne, ma spécialité. D'accord. C'est le meilleur, ça. Ça ira. Puis, ici, on prend du pain, on trempe, on sauce. Et... D'accord. C'est pour toi, cadeau. Oh, c'est adorable, ça, Gisèle. Oh, c'est sympa, dis donc. Oh, j'adore, franchement, c'est... Ça te plaît? Oui, mais fallait pas, franchement, c'est... Ça me fait plaisir. Allez, vas-y, essaye-le, donc. Si, il faut que je vois comment ça te va. Mais comme ça, je pourrais le changer. Oui, allez, bien sûr. Mets-toi debout parce que je vais voir si c'est pas trop court. Allez. Oh, pas de manière. Hein. J'ai peur qu'ici il soit un peu court, non? Non, non, non. Non, mais ça se porte comme ça. Hein. C'est tendance. Bon. Mais ça va pas, Gisèle? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Big Jim. Quoi, Big Jim? Quoi, Big Jim? Quoi, ça? Bah, la tache rouge, là. Ça, hein? Bah oui. Si sa robe n'est pas impeccable, le jury va l'éliminer d'entrée. Il y a de l'héritage. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bah appelez le vétérinaire. Hein. Mais vous attendez quoi? Appelez-le! Les cochons sont très intelligents et plus facilement adaptables que la plupart des animaux domestiques. Cependant, leur association... Il paraît que ça a marché sur les pandas chinois. Et la maison devra être adaptée en conséquence. La télé pour un cochon. On n'est plus à ça près, hein. Puis si ça marche pas, on pourra lui faire venir des stripteaseuses. Hein, c'est bien ça, les stripteaseuses. Hein? Alors, ces tâches? Elles partent pas. Et s'ils gagnent pas le concours? Les créanciers vendront la ferme aux enchères. Ah, et nous aussi, ils vont nous vendre nos enchères? Il s'en va, ça y est. Tant mieux. Parce que tu crois que tu vaux mieux que lui? Depuis qu'il est arrivé, t'es jaloux de lui. Tout ça parce que c'est le fils de Victor. Tu dis n'importe quoi. Ouais, c'est ça. T'es têtu comme tes cochons, toi. C'est quoi le problème? Explique. Le problème? Le problème, c'est que lui, il a jamais eu honte de venir avec nous au supermarché. Alors tu crois toujours que tu vaux mieux que lui, toi, hein? Moi, je vous dis qu'il va gagner, je le sens, j'en suis sûr. Ouais, t'as vu les jarrets impressionnants de Miss Peggy, c'est pas joué. À l'unanimité du jury,
Le prix 2010 a été décerné à Big Jim. Et ça...